Ferdinand de Saussure, né à Genève le 26 novembre 1857, est mort à Vifland, le château, je sais pas trop, le 22 février 1913. C'était pas vraiment bien, mais linguisticus, reconnu comme le précurseur du structuralisme en linguistique, s'est aussi distingué par ses travaux sur les langues indo-européennes. On estime, surtout en Europe, qu'il a fondé la linguistique moderne et établi les bases de la sémiologie dans son cours de linguistique générale 1916, publié après sa mort par ses élèves. Il définit certains concepts fondamentaux. Distinction entre langage, pauvre con, langue et parole, entre synchronie et diachronie, caractère arbitral de la linguistique, du signe linguistique, etc., qui inspireront ce qu'il aurait pu faire en vivant s'il l'aurait fait. Seulement la linguistique ultérieure, même si d'autres secteurs des sciences humaines, comme l'ethnologie, l'analyse littéraire, c'est injuste comme analyse, la philosophie, la psychanalyse lacanienne.